www.casarema.fr. Pour tous ceux qui ont choisi Jésus, ils ont la vie éternelle et ils vivront éternellement. Qui a fait le bon choix, ne le regrette pas dans ta vie. Même si tu manques quelque chose, même si tu pleures, ne le regrette jamais. Tu as fait le bon choix. Il faut qu'on t'attaque. De peur en entrant dedans, que tu commences à regretter. Jalousie, les œuvres de la chair, non? Vidéos chrétiens en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Asia, Zambia, 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 Zambia
amen, amen. 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 Est-ce que c'est moi, Zali? Est-ce que c'est moi, Zali? Soka Zali, personne ne peut bébé dans un mot. Personne n'a qu'à personne, montre le mango. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit de le dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta voix de ton bâton me rassure. Tu traces devant moi une table. En face de mes adversaires, tu enduis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce et la vérité sont veillées par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Je m'appelle Sœur Souzy. Je vous remercie. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de mes frères ne peut pas en venir. Car tout ce qui est dans cette monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil ne veut point du Père, ne veut du monde. 1 Jean 1, 15 à 16. La Bible a des parties, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Je peux vous citer tous les livres de l'ancienne alliance. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Josué, Juge, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, Ezra, Néhémie, Esther, Job, Somme, Naïm, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Merci pour les livres de la Nouvelle Alliance. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Je mets des Saloniciens, 10 autres Saloniciens, 1 Timothée, 2 Timothée, 10 Philémon, Eurojac, 1 Pierre, 2 Pierre, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, Juge, Apocalypse. Écoutez, Julien, il est là, c'est un on a oublié notre ami. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. 521 R, je m'appelle Serge, je vous remercie. Et elle sortait et c'est Codine Junior. C'est Codine Junior, on essaie. Amen, amen. Mettez-la, on va te prendre pour vous. Tiens, c'est vraiment ok. On dit qu'on calme à l'aigle. Israël a tout récité là déco. La livre, la Bible, le Pessane la Babylone sont toutes. Attends, ma pasteur, il doit avoir un exercice sauté. Mettez-le devant nous, ma peau, parce que nous avons besoin. Sauté dans la partie.
prophétie est dans ma casse, il est dans la Ezekiel, Tibokomana, Malachi. Ma prophète, moi, ma texte, ma maman, Mike, pour Kanaya, mon Nassali, il faut vraiment vous féliciter. Pour celui qui m'a dit qu'on a rangé, à ma mine, on va attendre la cantine de l'éternité. Pour celui-ci, à ma mine, on va reçu, on attend les autres. Donc, comme il y a un psaume, tout le monde soit évité, soit dans la 30e livre. Mais nous sommes au Luka, psaume dans la nouvelle alliance, nous sommes psaume dans l'ancienne alliance. Nous sommes dans le Luka hébreu. Et si quand on a la nouvelle alliance, à quel Luka on a l'ancienne alliance? C'est-à-dire que pas dans l'Oyo, exercice Oyo, en réalité, il faut être à Yo, il faut être à Naï. Est-ce que vous comprenez un mot? Il faut dans la Bible, dans le tout Naïo. Dans ma peau, quand tu es maintenant, tout Naïo, c'est très important. Exercice à Okanaba verset et puis ça n'est pas tout limité, mais pas le raison de citer avec exactitude. Ce qu'on vérifie, on s'attend bien. Il y a moins pour encourager, mais on va être là pour la balle. Pour la balle. Pour la balle.
yo qualité ya et que son moi. Maintenant, on écoute la parole. C'est quoi donc il va les aider? Maintenant, c'est Dieu qui vous parle. Depuis que nous sommes là, vous avez parlé à Dieu par vos danses, par vos chants. Maintenant, Dieu veut te parler. Il veut te répondre. Apocalypse 14. Versets 6 à 7. Il est écrit. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Ayant un évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. Je recommence. J'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel. Ayant un évangile éternel. Pour l'annoncer aux habitants de la terre. À toute nation. À toute tribu, à toute langue, à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire. L'ange disait, d'une voix forte aux habitants de la terre, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Et adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Toi qui as conduit nos pieds cette nuit à ta maison. Nous te confions ce moment. Manifeste-toi, Seigneur, par le Saint-Esprit, en sortant de ce lieu, que ces peuples puissent sortir édifiés et que toute la gloire te revienne. Dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ, parce que acclamons pour Jésus. Il est le sujet de notre adoration, acclamons pour Dieu. Merci pour votre attention. S'il vous plaît, je vous demande un calme maintenant. Parce que tu dois écouter Dieu te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce de faire 365 jours. Il y a 365 jours. Tu es en vie. Et surtout, arrivé cette nuit, tu as bonne santé, tu es là. Si Dieu pouvait te faire grâce, t'ouvrir les yeux chaque jour, pendant 365 jours, qu'il te montre le nombre de fois qu'il t'a délivré. Par chaque jour, combien de fois il t'a délivré. Je crois que
Tu vas tomber, Vanille. Tu manqueras le mot à dire à Dieu. Il est vrai. Il est vrai. Que Dieu nous délivre. Même dans les combats que nous voyons ou que nous ne voyons pas. Le fait que tu sois là cette nuit. Le fait qu'il y a causé la canne à boutir les lots. Il faut dire Seigneur merci. Le fait que tu sois en bonne santé. Le fait qu'il y a causé la canne à santé à malam. Il faut dire merci à Seigneur. Regardez. Dala. Tu es là. Yousaliwana. Parce que les gens de ta famille aussi sont en bonne santé. Vous êtes Mategouna, Nibotel, Madela, santé à malam. Si quelqu'un de tes proches tombent malades, ceux qui m'ont malade, bébé après malade. Dans la famille, quelqu'un qui t'est proche dans la famille. S'ils tombent malade, peut-être tu devrais te retrouver à l'hôpital pour les garder. Tu ne serais pas là. Mais regardez dans son amour. Pour que tu sois là. Dieu te garde toi. Il garde même tes proches. Pour te permettre à venir. Acclamons pour le Seigneur. Dieu nous a gardés pendant 365 jours. Voilà pourquoi nous le louons. Nous dansons. Parfois, ça peut te paraître bizarre. Parfois, je ne sais pas comment tu peux réaliser cela. Mais laissez-moi te dire que ce n'est pas peu de choses. Je ne pouvais même pas prêcher. J'ai eu de l'angine pendant la journée incroyable. Je me tordais de douleurs incroyables. Ma gorge, ça n'allait pas. La vie des gorges allait aussi battre. Surtout le soir. Mais pourquoi? Mais j'ai prié Dieu. Parce que la bonne est là qu'ils avaient. Elle dit, je dois prêcher. Et Dieu m'a fait grâce. Ma voix est là. Paix dans les années. Dieu me met dans le Seigneur. L'apôtre Jean dit ceci. Parce que Apocalypse c'est une vision. Comme c'est une vision, toute vision nécessite une interprétation. Tout songe mérite une explication. Tout énigme mérite une explication. Toute parabole mérite une explication. C'est la vision que Jean veut dire. Il voit le ciel s'ouvrir. Et il a vu un ange. La parole dit que cet ange-là, il avait un évangile éternel. Il avait une bonne nouvelle éternelle. Et cette bonne nouvelle, c'était quoi? L'ange disait aux habitants de la terre. Aux habitants de la terre. Moi je crois que toi tu habites la terre. Moi je crois que nous sommes sur la terre. L'ange disait aux habitants de la terre. La première des choses. Dans l'évangile éternel. La première des choses. La première phrase de l'évangile. La première notion de l'évangile éternel que l'ange a fait sortir de sa bouche, il a dit craignez Dieu. Pourquoi il doit commencer par là? Il pouvait bien commencer
adorer Dieu. Pourquoi l'ange n'a pas commencé à adorer Dieu? Pourquoi l'ange n'a pas commencé par dire chanter pour Dieu? Mais il a commencé d'abord par craindre Dieu. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne reçoit que Dieu n'accepte que Dieu n'agrée que une adoration qui ne vient que des gens qui les craignent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans la réalité des choses, dans la vérité spirituelle des choses de Dieu, le fait de craindre Dieu, c'est une adoration. Si tu crains Dieu, c'est une adoration que tu es en train de faire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Regardez, je vous explique. Qui vient? Suivez. Il y a le péché devant toi. Ce péché-là, peut-être tu dois voler de l'argent. Il y a l'argent qui est là. Toutes les conditions sont réunies pour que tu voles cet argent. Tu dis aussi tu arrives devant l'argent. Maintenant il y a deux fois. La première te dira. Et elle te dira avec insistance. Prends. Mais il y a une autre voix qui est calme, qui te dira ne prends pas. Maintenant tu es devant un problème. Tu dois te décider. Maintenant, si tu te décides de ne pas prendre, non pas à cause de ta bonne éducation, mais tu ne prends pas à cause de Jésus, le fait que tu as refusé de voler, c'est une adoration que tu as fait. C'est ça que beaucoup de gens ne savent pas. C'est-à-dire, à chaque fois que nous refusons de pécher, nous adorons Dieu. Parce qu'il est écrit, offrez premièrement à Dieu votre corps. Pour refuser de pécher, il faut avoir la foi en Dieu. Celui qui n'a pas la foi, il va pécher. Mais celui qui a la foi, il ne péchera pas. Regardez Joseph. Pourquoi il n'a pas péché? Il s'était gardé avec la femme de Potiphar. Il pouvait bien pécher. Mais s'il ne l'a pas fait, parce qu'il a fait la foi en Dieu. Donc, refuser de pécher, c'est adorer Dieu. Bouge d'abord celui qui est en train. Bouge celui qui dort. Je dis bouge. Bouge. Je te le permets, bouge lui. La personne de la bouger. Et si on te bouge, ne te fâche pas. C'est la bouger aussi les cadets. Dieu aime tous ceux qui le craignent. Parce que, en craignant Dieu, à cela est attachée une promesse. Nous avons fait 365 jours. Peut-être tu as péché. Tu n'as pas bien marché. Tu n'as pas été correct. Ta conscience te reproche. Ta conscience, tu le sais très bien. Tu as menti. Tu as volé. Tu es tombé dans les publicités. Tu as marché dans l'escroquerie. Tu as marché dans la calomnie. Dans des querelles, dans ses injures. Voilà, le Seigneur te donne l'occasion. Incline ta tête. Vous avez besoin. Incline ta tête.
Seigneur Dieu. Seigneur Dieu. Je te demande pardon. Pour toutes mes fautes. Pour tous mes erreurs. Pour tous les péchés que j'ai commis en 2014. Pardonne mes fautes. Car ta force, ce n'est pas de nous punir, ce n'est pas de nous frapper, mais ta force, c'est de nous pardonner. Ainsi, il est écrit que tu es un Dieu miséricordieux. Pardonne-moi. Pardonne ma famille pour tout ce que nous avions fait. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. J'ai dit que Dieu t'a pardonné. Si du moins tu as été sincère. Il le faut toujours, toujours. Confesser le péché. S'il t'est arrivé le péché. Craignez Dieu. C'est la première notion de l'évangile. De l'évangile éternel. Deuxième chose. Et le premier balai. De donner gloire à Dieu. Adorez-le. Pourquoi nous devons adorer le Seigneur? La parole dit, c'est parce que il est celui qui était, qui est et qui vient. Celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Adorez-le. Dans votre vie, adore Jésus. Jésus a fait et il fait et il fera Jésus a qui a salapé à Kosalaka de merveilles pour tous ceux qui croient en lui. Est-ce que vous me croyez? Amen. Je le reprends. Le Seigneur a fait. Le Seigneur fait. Et le Seigneur fera. De merveilles. Pour tous ceux qui croient en lui. Ne regrette jamais le choix que tu as fait pour Jésus. Tu as fait le bon choix. J'ai toujours dit, sur la terre, il y a des choix à faire. Pour tout homme. Pour tout homme, que tu sois noir ou blanc, il n'y a que deux choix. Pour que tu sois heureux, le premier choix fait pour tout homme, tu dois choisir soit Jésus, soit Satan, ici sur la terre. C'est le premier choix que tout homme doit faire sur la terre. Soit tu choisis Jésus, soit tu choisis Satan. Si tu choisis Jésus, c'est pour la vie éternelle. Si tu choisis Satan, c'est pour la mort éternelle. Erreur pour tous ceux qui ont choisi Jésus. Ils ont la vie éternelle et ils vivront éternellement. Qui a fait le bon choix, ne les regrette pas dans ta vie. Même si tu manques quelque chose, même si tu pleures, ne le regrette jamais. Tu as fait le bon choix. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le bon choix pour nous. Même si tu ne vois rien, même si tu ne vois rien dans ta vie, même si tout est noir, même si tout est compliqué, même si 2014 a été compliqué. Il n'a rien reçu. Rien n'a marché. Mais je vais te le dire avec assurance. En choisissant Jésus, tu as fait le bon choix. Parce que c'est pour la vie éternelle.
Deuxième choix. Choix mi-balé. Que tout homme doit faire sur la terre. Qu'il soit noir ou blanc. Le deuxième choix. Choix mi-balé. C'est de choisir. Soit. Soit. Un bon conjoint. Moi c'est malin. Bonne conjointe. Soit. Soit. De choisir un mauvais conjoint ou une mauvaise conjointe. C'est le deuxième choix à faire. Pourquoi? Retenez-le. Le mariage. Que les gens le veulent ou pas. Que ça plaise aux gens ou pas. Le seul cadre que Dieu a donné à l'homme pour que l'homme soit heureux sur la terre. Ce n'est pas le travail. Ce n'est pas le bureau. C'est le mariage. C'est le seul cadre où l'homme doit se retrouver heureux. Maintenant, si tu rates ce cadre-là, en faisant un mauvais choix, tu vas le regretter durant toute ta vie. Est-ce que tu me comprends? Amen. Donc, les deux choix, dans la vie de l'homme, il faut bien le faire, ne le prends jamais à la légère. Premier choix, j'ai dit c'est de choisir ou Jésus ou Satan. Jésus Satan. Mais je te conseille, pour toi qui ne l'as pas encore fait, de choisir Jésus, parce qu'il est la vie éternelle. Alors le deuxième choix, c'est le choix du mariage. Soit tu fais un mauvais choix, soit tu fais un bon choix. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le choix, pour le mariage, ne prenez pas ça à la légère. Il faut prier. Et c'est le bon là. Il faut être encadré. Et c'est le lieu encadré. Il faut. Et c'est le lieu. Qu'on t'encadre. Qu'on encadre. De peur. Que, en entrant dedans. Que tu commences à regretter. Et on a regretté. Dieu a mis. Les pasteurs dans les églises, le pasteur dans l'église, c'est pour vous aider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais ceci, en choisissant Jésus, tu as fait un bon choix. Maintenant, regarde. Tout ce que tu as fait en 2014, comme erreur, comme faute, je ne veux pas que tu puisses les répéter en 2015. Vous savez, pendant cette fin de l'année, à chaque fin de l'année, dans chaque société, on fait des bilans. C'est-à-dire qu'on regarde quelles étaient les entrées, quelles étaient les sorties, et qu'est-ce qui reste dans la société. La société a perdu, la société a travaillé en perte, ou la société a travaillé en gagnant. C'est le bilan que des sociétés font. Et cela doit être de même pour nous les chrétiens. Suivez-moi bien. Bouge celui qui donne. Bouge celui qui donne. Bouge-lui comme ça. Bouge. J'ai dit bouge celui qui donne. La bouche va la bouca. Ta vie chrétienne. Comment a été la vie chrétienne? Très bien. Non. Pas toi. Très bien. Bon, voilà. Tourne, regarde-le. Prends ça. Tu mets ça comme ça, tu sauras. Bon, mets ça. Ok, tu sauras. Tu vas résister. Ok. Regardez. Dans ce panier, la date d'un panier, oui. C'est tout ce qu'il a fait de mauvais dans 2014. Est-ce que vous me comprenez? Dans ce panier, la date d'un panier, oui.
C'est tout ce qu'il a fait de mauvais. Il a menti. Au sein qui? Il a menti. Il a au sein qui? 365 fois. Il est 365 fois. On met ça dans le panier. La charme n'a pas été. Il a volé. Et il battu. 10 fois. Il est 10 fois. On met ça dans le panier. La charme n'a pas été appelée. Il a fait l'impudicité. Ça l'a qu'il est. 5 fois. 5 fois. Là, dès qu'on met l'impudicité, la balance pèse. Moi, je vais l'impudicité, il y a une balance qui dit non. Parce que c'est le seul péché qui compte double. Il y a un mot dit, péché compte double. N'oubliez jamais cela. N'oubliez jamais pour cela. Ça, côté. Que c'est un péché qui pèse. Il y a un mot et pèse à Kamakasi. Déjà maintenant. Il y a un mot. Il a marché dans la calomnie. Il a volé la carte dans le coudat, il y a ma cambo. Pourquoi c'est la matière? Oui, calomnie, la calomnie les autres. Il y a aussi la sous ma cambo. On met ça dedans. Il a volé des dîmes. Il y a Iba qui va dire. S'il travaille, il n'a pas donné ses dîmes. Les fonds des dîmes, on met ça dedans. Il n'a pas respecté l'ordre de l'église. Il n'a pas obéi. L'église a programmé des prières. Il n'est pas entré en prière. C'est un péché. On met ça dedans. Tout ce qu'il a fait de mauvais, c'est dedans. De l'autre côté maintenant, c'est tout ce qu'il a fait de bien. Tout ce qu'il a fait de bien en 2014. Dedans, on met quoi? On met quoi? Il a fait quelque chose de bien. Il a intercédé pour les gens. On met ça dedans. Sa présence à l'église. Présence à l'église. Son assiduité au culte. Venir au culte. On met ça dedans. Allez faire le suivi. Vous allez suivi. On met ça dedans. Je vais se mettre la carte. Donner ses dîmes, ses offrandes. Ça dîme, on met ça dedans. Mettez la carte. Allez regarder, rendre visite aux malades. Pour que nous malade, on met ça dedans. La prison, mettez la carte. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Tu es en train de mettre aussi, hein? Tu es en train de mettre, non? Vous savez que tout ce que tu as fait. Mais maintenant que chacun regarde. La balance. Le balance. Le côté qui pèse. Côté que j'ai dit vous pèsez. C'est des bonnes choses ou des mauvaises choses? Non. Mais ne me réponds pas. Côté c'est un beaucoup. Que ta conscience. Pendant que je suis en train de dire, toi aussi mets des mauvaises actions que tu as faites. Et tu mets des bonnes choses que tu as faites. Et maintenant fais le bilan, fais la balance. Bouge celui qui dort. La moussa de Wali Bébé n'a rien à la. Bouge celui qui dort. Et si tu te fâches, quand on te réveille, si tu te fâches, je vais te mettre le bas. Tu vas sur le reste de Pierre Débo. Ce qui aussi est à côté de l'Israël. La matière à côté. Suivez. La main. Suivez. La main. Bon. On part ensemble. Okay. Vous répétez avec moi. On met la colère. Dites colère. 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 Massonge. Calomnie, impudicité. Quoi encore? Dites-moi. Moi, cette histoire-là, je ne connais pas beaucoup. Quoi? Vol. Oh, répétez, vol. Dites-moi, je ne connais pas. Hein? Haine. Répétez, haine. Quoi encore? Envie. Répétez. Hein? Ah, quoi? Fumer. Jalousie. Les œuvres de la chair, non? Danser.
danseur oisé quoi, Fali, tous ces trucs, tous ces gens, on met ça dedans. Celui qui a le Saint-Esprit ne danse jamais la musique du monde. Ça, je vous l'ai dit. Amen. Si moi je te vois danser, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Tu ne peux jamais, jamais danser. Jamais. Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Alors, toutes les chansons, toutes les fois que tu as dansé, on met ça dedans. Maintenant, super. Bouge, lui très fort. Ok. Maintenant, de l'autre côté. Pardon, on me voit. La vérité. Répète après moi. La vérité. La vérité. L'amour. L'intercession. L'intercession. Est-ce que tu as d'abord intercédé pour quelqu'un, prié en faveur des autres? Est-ce que tu l'as fait? Bah tu me l'as ensemble la rapport à la bango. Quoi comme? Là la base à la justice. Là la base au. La parole de Dieu dit, cherchez les intérêts des autres. Mais toi, si yo, tu as toujours cherché tes intérêts. Maintenant, tu es en train de mettre ici tous les bienfaits, tout ce que tu as fait en 2014. Observe maintenant toi-même que ton cœur soit le juge de toi-même. Qu'est-ce qui pèse beaucoup? Qu'est-ce qui pèse? Je veux que quelqu'un puisse être honnête. Quelqu'un puisse être honnête. Qu'il se tienne debout. Qu'il me dise. Entre les deux paniers. Ici c'est le mal. Tout le mal de 2014. Ici c'est tout le bien. De 2014. Le panier qui descend beaucoup, c'est le panier qui pèse beaucoup, hein? N'est-ce pas? Le panier qui descend, c'est le panier qui pèse beaucoup. Mais les paniers qui t'amènent de beaucoup pèse. Donc le panier qui reste en haut, c'est le panier pépère. Vous avez panier très bien, vous avez des paniers qui tombent à pépère. Bon, qui veut être honnête? Non, la cause à la honnête, la cause. Qui veut être honnête? Non. Oui. Ah, toi. Oui. C'est ma vie. Ah, c'est le panier. Tu vois? Ça fait. Pour toi. Ok. Il a été sincère. Qui encore? Oui, frère. Le panier mal. Ça pèse beaucoup. Ça te fait rire. Oui, bien aimé. Moi aussi, la Bible me dit, si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous sommes menteurs. Et Dieu est fidèle si nous confessons nos péchés. Le mal pèse. Pour toi. Merci. Quelle humilité. Quelle humilité, ce frère Jean-René. Ce frère, il m'a toujours épaté. Il m'a toujours donné de la valeur pendant que les gens m'abaissent, mais lui me lève toujours. C'est un vrai frère pour moi. Et regardez ce qu'il fait en votre présence. Vous connaissez vos musiciens, non? Vous les connaissez comment ils sont? Oui, c'est le mal. Qui paye? Le mal. Le mal. C'est-à-dire que tu es conscient. Mes frères et sœurs. Je vais te dire ceci. Il est possible. Ezali possible. Comme ta conscience te reproche. Il est possible. Possible. De changer la balance à tes richesses. C'est possible. C'est question de la volonté. C'est la question de volonté. Est-ce que quelqu'un le comprend? Amen. Il est vrai. Ezali solo. Il est vrai. Ezali solo. Que la vie chrétienne était pour moi est difficile. Avec la conscience. La conscience. Avec la volonté. La volonté. Tu peux le faire. Mes frères et
et sœurs, nous ne sommes pas les premiers. Souvenez-vous, je vous ai parlé la fois passée des deux filles de Lot. Regardez dans le pays de Sodome et Gomorrhe où le péché avait atteint le ciel. Sodome rempli du péché. On a trouvé à Sodome un homme qui était juste. C'est Lot et ses filles qui étaient des vierges. On ne vient pas comme ça attaquer. Même moi, votre pasteur, devant l'impunicité, et moi, et vous, il n'y a qu'une seule solution. C'est des fruits. Et ça, c'est un oui, c'est merci. C'est possible. Impossible. Que tu fasses beaucoup de bien en 2015. Sois conscient. Dis-toi en toi que tu es chrétien. Avec maintenant l'aide du Saint-Esprit. Mais tout commence par une bonne conscience. Prends d'abord une bonne conscience. Que tu as mal agi. Tu as crucifié encore pour la deuxième fois Jésus en 2014. Mais qu'est-ce que je peux faire en 2015? Mon frère, c'est possible. Possible que tu fasses des bonnes actions en 2015. Et nous proclamons 2015 comme année de sanctification. Pourquoi la sanctification? Parce qu'il est dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. À quoi bon de proclamer des années de victoire, de bénédiction, de prospérité, pendant que les gens marchent dans le péché? Mais il est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il, si vous lisez jusqu'au verset 3, 4, 5, je crois qu'il est écrit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Elle sait vouloir la de Dieu. C'est pour toutes les années. C'est pour tous les 365 jours. Frère, ma soeur, que ta conscience puisse te parler. Prends la décision. Tu te dis, 2015, je vais marcher dans la sanctification, pour plaire à mon Seigneur. Tu es prêt de le faire? On s'intervient. Sunga na yo, sunga, sunga
Il est écrit. Répète après moi. Il est écrit. C'est Dieu qui produit à nous le vouloir et le faire. Colo la bonne de Lyon. Don disaka na makoki. Ya molimo. Bonatambola. Na kati na sanctification. Na 2015. Posa ezali. Na sengi nde makoki paye. Tenez au sable la bête. Na fongole la sape motema. Sape la sengi na sape makoki. Ya bonatambola dans la sanctification. Dans 2015, c'est possible, mon frère. C'est possible. Avec l'aide de Dieu. Il est capable de marcher dans la sanctification dans 2015. Ma coquille ou ta parole n'est pas une. Seigneur mon Dieu, je te recommande ce peuple entre tes saintes mains. Que 2015 puisse être pour ce peuple une année de sanctification. Mais personne n'est capable par lui-même, Seigneur. Au contraire, toutes nos capacités viennent de toi. Rends ce peuple capable à marcher dans la sanctification, à marcher dans la justice. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ton vouloir, Seigneur notre Dieu. Aide ton peuple, Seigneur. Je te recommande ce peuple, Seigneur. Avec ta grâce, ce peuple va s'en sortir en 2014, en marchant dans la sanctification. Merci parce que tu nous as toujours exaucés. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, j'ai ce prière. Amen. Est-ce que quelqu'un veut acclamer pour nous, Seigneur? Thank you.